Quelquefois, quand je donne une conférence, on me dit, mais comment vous pouvez parler des trognes pendant deux heures Mais là, je me demande comment je vais pouvoir en parler pendant 20 minutes. Car c'est un sujet si vaste et si ancien et si extraordinaire qu'il faudrait y passer sa vie. C'est un peu ce que je fais d'ailleurs. Voilà. Donc, les trognes, notre fierté humaine en prend un sacré coup quand tout d'un coup on apprend qu'on n'a rien inventé puisque c'est la nature elle-même et son évolution qui les a créés. Et quand l'homme fait la trogne, en fait, il ne fait qu'imiter la nature. Et je crois que c'est pas mal de, de rappeler ça. À gauche, vous avez un peuplier noir, une mini trogne taillée par le castor. Et à droite, c'est tout simplement le vent, mais ça aurait pu être le, la, le givre, le verglas, les rochers, une crue, euh, un érable champêtre qui a été cassé. Et vous voyez un phénomène dans les deux cas qui s'est produit, un phénomène qu'on appelle la réitération. C'est une capacité suffisamment extraordinaire. Pour que on n'appelle pas ces arbres des moignons, comme on les entend souvent nommer. Vous savez que tous nos poilus de la guerre 14, quand ils sont revenus mutilés, aucun d'entre eux n'a vu ces moignons repoussés. Eh bien, la physiologie végétale de nos arbres qui ont évolué dans le temps fait que justement, cette réitération est possible grâce à des bourgeons adventifs qu'on appelle aussi bourgeons latents, bourgeons dormants, qui vont s'exprimer suite à cette euh, mutilation euh, entre beaucoup de guillemets. Alors si l'on compare un arbre au développement naturel, entre guillemets, de pleine lumière, comme le chêne qu'on a à gauche, ceux qui sont dans la forêt, quand elle est gérée par l'Office national, Serrer les uns contre les autres, ce qui n'est pas une situation tout à fait naturelle, et une trogne à droite. Que voit-on Eh bien, on voit que dès l'instant qu'on va cueillir l'arbre à gauche, on le fait disparaître. Alors que dans le cas de la trogne, que fait-on On fait une forêt aérienne, une forêt perchée, un taillis sur pilotis, une prairie aérienne. Ce sont quelques-uns des noms qu'on a pu donner à ces arbres. Et si vous regardez en haut à droite, vous avez un arbre euh, en pleine lumière. Que fait-il Il commence à avoir ce qu'on appelle une perte de cime et il fait la trogne naturellement. Ceci est marqué par la marcescence, par les feuilles persistantes qui sont chez les arbres un signe de jeunesse. Alors si on regarde les formes que les hommes ont pu donner à ces arbres à travers les régions et les pays. elles sont infinies. elles sont infinies depuis la forme la, forme la plus basse qu'on a ici dans le marais poitevin avec ses frênes derrière on a des frênes mais un peu plus haut peut-être d'ailleurs qu'ils ont été rehaussés à un moment donné. et puis on va voir les émondes et certaines que vous connaissez peut-être dans le pays de Rennes, des émontes très très hautes jusqu'à voir 10-12 mètres de haut, qui étaient des usines à fagots. Et puis en bas à gauche, vous avez dans euh, la DSA espagnole des trois horizontale horizontales sur du chêne vert et d'autres essences. Enfin, on va si on regarde ce tilleul ici dans les Deux Sèvres, vous voyez un tilleul à sept troncs. 7 rejets, 7 mètres de circonférence. Ici, un frein de la même circonférence, toujours dans le bocage. Et là, la trogne la plus ancienne que j'ai vue, c'est dans le parc de Windsor, en Angleterre, que nos amis anglais, grands spécialistes des vieux arbres, estiment à 1300 ans. C'est-à-dire que de faire la trogne n'abrèche pas la durée de vie de l'arbre. À condition, bien sûr, que les cycles de taille soient respectés et réguliers. Je n'ai pas présenté le peuplier noir là aussi en Aragon, en Espagne, il y a des, des populations assez étonnantes. Alors je, je passe très très rapidement pour vous montrer un éventail des essences qui peuvent être taillées en trogne, et il semblerait qu'il y en ait beaucoup plus qu'on l'imagine. Alors j'ai mis les noms d'atteint, je pense que euh, ce n'est pas la peine de traduire, alors vous aurez accès aux informations. Il y en a certaines, je vais faire la conférence très vite, hein, je, il y en a certaines qu'on n'imagine pas. Je pense par exemple au boulot découvert euh, dans le Morbihan et en Mayenne. Et enquête auprès des agriculteurs, eh bien, c'était du boulot pour faire des balais, tout simplement dans le bocage. Il y a des essences qui sont extrêmement intéressantes aussi avec l'évolution climatique. Je pense aux mycocoulier et d'autres essences qui pourront, sous cette forme, reconquérir des espèces qui vont disparaître ou être amenuisées par l'évolution. Alors, ici, quelques espèces fruitières. Je pense au cornouiller mâle. Alors, ça, c'est en Moselle. Alors, pourquoi aller euh, tailler ce type d'essence en trogne Probablement pour faire des manches et des fruits. Alors, le châtaignier, c'était aussi un peu la même chose. On faisait à la fois des pièces de charpente, des piquets et puis des fruits. Donc, des trognes à plusieurs vocations sachant que l'arbre trogne naît, est rarement et n'est jamais même à vocation unique, puisque tout ce qu'on a vu précédemment nous prouve que l'arbre a une multitude de fonctions. Alors une autre trogne relativement, à oui finalement, elle est bien plus âgée que notre, que notre chêne en Angleterre, c'est un olivier en trois 3000 ans. C'est celui dont on est allé prélever un rameau pour les Jeux Olympiques d'Athènes. Il est en pleine forme, il produit des olives et on peut même boire son huile. Alors évidemment, la vigne, comme dit Alain Canet, celle-là, c'est vraiment la meilleure des trognes. Et on a des essences un peu plus surprenantes, comme les genévriers turifères, là encore en Espagne, qui étaient émondés pour le fourrage des moutons. Des troncs de pin sylvestre, un peu particulière. C'est dans le Limousin. Ce sont des boisements sur les terres les plus ingrates, et c'était euh, fait pour euh, du bois de boulange, des bois des fagots pour les boulangers. Et parmi les conifères, enfin peut-on considérer l'if comme un conifère Je suis pas sûr. C'est pas, pas non plus un résineux. Mais toujours est-il que l'if, euh, qui a le désavantage d'être toxique, fonctionne formidablement bien. Euh, comme un feuillu euh, formidablement bien en trogne et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on le taille euh, pour des raisons pharmaceutiques. Et puis parmi des essences qui peuvent être très très grosses en trogne, euh, eh bien, on a les eucalyptus euh, qu'il faudra pas hésiter à euh, émonder, d'autant qu'il y en a largement euh, beaucoup dans certaines régions. L'intérêt aussi de ces armes, en plus du fait de pouvoir leur donner des formes multiples, c'est qu'on peut en créer des densités extrêmement fortes, puisque régulièrement le houppier est réduit à sa plus simple expression et qu'il va repousser. Les trognes, on peut aussi les installer dans toutes les situations, bien sûr au bord de l'eau, hein, comme ici en haut dans le Marais Poitevin, au bord des canaux. Ce sont les saules que vous connaissez dans tous les pays du Nord. On peut, les, bien sûr, les rencontrer en boisement. Je dis bien sûr, mais ce n'est pas forcément une évidence. Et puis, surtout, on peut les mettre en sous-étage d'autres arbres. Ici, des chênes pédonculées sous des chênes pédonculées, donc trogne sous trogne, sous chêne de Auger. Et ici, des charmes en Normandie, dans le pays de Caux, sous des hêtres. Alors, il y a un aspect extrêmement important de ces arbres, une sorte de cerise sur le gâteau ou d'oiseau sur la trogne ou de nid sur la trogne. Eh bien, c'est l'aspect biodiversité. L'énorme intérêt de tailler ces arbres, c'est qu'on va déjà dans un premier temps créer une petite plateforme qui va accueillir toute une faune, notamment des oiseaux. Vous voyez un nid ici dans le platane et dans le frêne. Après une année de création. Mais surtout, euh, l'aspect le plus exceptionnel, ça va être les cavités qui vont se former beaucoup plus rapidement sur euh, ces arbres taillés régulièrement que sur un arbre à évolution naturelle. On sait par exemple euh, que sur des saules, une étude faite par les Tchèques sur les saules têtards et un saule évoluant naturellement, le têtard a des cavités formées trois fois plus vite qu'un saule qui n'est pas taillé. Alors ces cavités, elles ont une importance considérable, notamment pour toutes les espèces cavernicoles ou cavicoles, comme disent certains, et notamment un grand nombre d'insectes qui ont besoin de bois mort et qui vont décomposer ce bois mort. Ah, excusez-moi. Alors on voit bien ici, dans un contexte de monoculture, comment ces arbres... Vont accueillir, grâce à leurs cavités qui sont, qui ont des occupants souvent successifs. Ici, un une cavité de pique à pêche colonisée par une ruche naturelle. Ces ruches naturelles, beaucoup plus résistantes d'ailleurs que les ruches apportées par l'homme. Et puis aussi dans ces cavités des microbars dans lesquels on a découvert des arthropodes particuliers, des crustacés, des microcrustacés euh, qui vivent dans ces microbars. Donc ce sont aussi des milieux exceptionnels. Alors je passe assez vite parce que vous connaissez tous l'intérêt aussi de ces arbres euh, pour euh, les, les chouettes Quand et la hupe. Quand j'ai fait la photographie ici en Mayenne, la huppe chantait dans le champ en question. Et il est certain qu'elle nichait dans l'un de ces chênes, l'une de ces émousses creuses. Et puis un élément passionnant, c'est que ces arbres ont finalement pris le relais de nos forêts primaires, puisque le pic prune dont vous avez la larve tout en haut, qui a besoin de plusieurs années dans son cycle, a besoin aussi d'une masse de terreau suffisante que peuvent lui offrir ces trognes remplis de terreau. Une autre fonction de ces arbres pour laquelle ils ont été taillés, c'est la fonction fourragère. Je parlais tout à l'heure de prairies aériennes. C'est certainement l'un des éléments les plus remarquables de, de ces arbres dans le cadre d'une production liée à l'élevage, en plus de tout ce qu'on a vu aussi tout à l'heure, puisque la, la biomasse produite est, est très importante et on voit. Ici, là, lors des canicules, tout d'un coup, les éleveurs se souviennent de cette fonction qui, était, euh, qui a continué à être perpétuée, notamment dans les régions de montagne et dans tous les pays du Nord. Alors la fonction fourragère, elle est pleinement d'actualité, puisque la recherche s'y intéresse, et l'Institut national de la recherche agronomique de Lusignan. La station de Vérine a mis en place un programme de sur 20 ans où on a planté des alignements de trogne. De, enfin, au départ, ce n'est pas des trognes. Ça fait seulement une semaine que ces arbres sont taillés en trogne euh, sur du mûrier blanc, du frêne euh, commun, de l'aune de Corse et de l'orme de Lutèce. Et le but de cette recherche est d'une part d'analyser euh, la nature, et euh, la productivité et la qualité fourragère des feuillages de ces arbres, mais aussi de 40 autres espèces qui, sont, qui seront conduites en trogne, qui ne le sont pas encore. Et puis, surtout, de pouvoir gérer un pâturage où le bétail viendra pâturer directement sur les arbres avec un contrôle par un système de fil électrique. Donc, euh, c'est passionnant de voir comment tout d'un coup, euh, notre euh, notre recherche s'intéresse à ces arbres et comment euh, ce qu'on fait les paysans un peu intuitivement dans les deux cas qui sont là. Tout d'un coup, on va savoir, on va voir des résultats et par rapport aussi à l'équilibre, aux besoins, au moment où ça va être utilisé par rapport au bétail. Alors des situations, je ne vais pas m'étendre. Hein, la, la DSA qui est vraiment un modèle de de forêts de trogne, euh, dont on pourra reparler. Et puis, c'est une pratique qui reste très artisanale, et j'aime bien dire euh, souvent que tous ceux qui vont se mettre dans des salles à faire un exercice physique, vous voyez ce que je veux dire, hein, des mouvements comme ça, euh, tous ceux qui vont s'étendre sur des plages à l'autre bout du monde, eh bien, ils connaissent pas le bonheur du « bodywood ». Vous savez, le bodywood, c'est cette pratique qui consiste à, à tailler un arbre, à créer une trogne, à, à faire un merveilleux tas de bois, à confectionner un fagot. Et je peux vous dire que la satisfaction intellectuelle et le bilan carbone de cet exercice, il est assez extraordinaire pour moi qui le pratique régulièrement. Alors la productivité de ces arbres allait aussi décuplée. Cinq minutes, ça va aller. Merci. Euh, ici, euh, c'est un ami qui a, a, a bouturé des troncs de saule. Les deux troncs que l'on voit derrière, celle-ci et celle-ci, taillés au bout de sept ans, des troncs d'à peine trente ans. Et vous voyez la production. Là, on a plus d'un ster de bois, des perches qui font sept mètres de long, plus cet énorme fagot. Et les Belges qui ont sorti un livre qui s'appelle Le saule, roi des tétards », que je leur avais soufflé dans mon livre pour le titre, euh, et c'est très bien, euh, ont euh, on étudié justement la productivité du saule euh, qui est plus importante que celle du chêne au niveau euh, bilan énergétique. Alors aujourd'hui, il y a des possibilités de mécaniser euh, la pratique d'étrogne, et ça c'est intéressant. Même si l'outillage reste largement à améliorer. Et puis, ce qu'on appelle encore trop souvent des déchets, cette biomasse extrêmement précieuse, elle a une fonction sur laquelle il faut insister c'est l'aspect litière pour le bétail. Actuellement, il y a plus de 500 éleveurs dans le Limousin qui utilisent cette litière au lieu de faire venir des camions de Beauce ou de Picardie, des camions de paille. Et on s'est rendu compte que cette litière tenait beaucoup mieux que la litière à partir de paille et qu'elle était prise directement sur les arbres. D'où la réhabilitation, bien sûr, des trônes qui les environnent. Alors, ça, ce sont quelques images pour montrer justement la possibilité d'usage de ces arbres. Voilà, c'est un clin d'œil à notre ami pour le BRF qu'on va pouvoir réintroduire dans les parcelles. Et puis il y a aussi des besoins par rapport aux plateformes de compostage où on se rend compte actuellement dans certaines régions démunies en boisement euh, qu'il faut au minimum un tiers de biomasse végétale pour avoir des compostages équilibrés. Alors créer une trogne, c'est peut-être la, la chose la plus importante. Si on en a détruit des millions et si on continue à les détruire, on peut très rapidement en créer des millions. Et ça, c'est, je dirais, le signe d'espoir. Alors, ça, c'est chez mon voisin qui est dans la salle. Euh, C'était à l'époque Henriette, une grand-mère, qui m'avait demandé. Elle avait une trogne qui avait poussé dans un genévrier couché, à chêne plutôt, et elle voulait l'enlever. Je lui ai dit, Henriette, on va créer une trogne. Et voilà ce que ça donne, la création, sur une année, à l'étage et sur ailleurs. Ce que ça donne maintenant. Et là aujourd'hui la trogne n'est plus taillée mais on pourrait imaginer la retailler car sur ce lieu il y avait une trogne euh, tout près euh, lieu dit la Guinière, une trogne énorme qui a fait l'objet de quatre cartes postales et qui faisait 11 mètres de circonférence ça veut dire qu'on pourrait relancer le mouvement de recréer cet arbre qui va produire cycle après cycle cueillette après cueillette Alors il y a des agriculteurs qui s'y mettent des arboriculteurs Ici des maraîchers, ici dans les Deux-Sèvres, dans le bocage, ici pour la production de truffes, et là un agriculteur qui s'était mis à faire du bois déchiqueté pour son chauffage et qui s'est rendu compte qu'il fallait renouveler la ressource, mais il, savait, il ne savait plus comment faire les trognes. Bon, voilà du pillage qui continue, vous voyez ici dans la Vienne, sur 800 hectares, un massacre inouï. Alors, il ne s'agit pas du juger les agriculteurs, parce que le modèle qu'on réalise dans nos collectivités, il n'est pas forcément exemplaire. Euh, ici, c'est en Loire-Atlantique, et là, c'est à 500 mètres de là. Alors, c'est un petit peu à bourser, dont on parlait tout à l'heure, euh, ce qu'on est en train de, de mettre en place. C'est une sorte d'observatoire de, de la trogne, et là, vous avez l'exclusivité d'un projet qu'on est en train de lancer, un arborétrogne, c'est-à-dire un lieu où on va pouvoir voir les arbres sous cette forme de différentes essences et dans différentes situations. C'est aussi un atout pour le tourisme et pour la vie rurale. Vous savez, quand il n'y a plus personne, on ne peut plus rien faire dans nos campagnes. Et pour résumer, qu'est-ce qu'une trogne Finalement, c'est une centrale. C'est une centrale qui va mobiliser de la biomasse qui va produire de la biodiversité, euh, qui va, quand elle disparaît, enrichir le sol. Finalement, on peut mettre plein de mots derrière et cette centrale s'adresse aussi bien aux particuliers, à la collectivité qu'au monde de l'agriculture. Merci.